6 mois de travaux auront été nécessaires. Voici la nouvelle piste d'athlétisme d'Albini. Dotée d'un nouveau revêtement, les athlètes des clubs d'Annecy pourront à nouveau courir, sauter en hauteur, sauter à la perche ou encore lancer le javelot. Financée en grande partie par la ville d'Annecy, cette infrastructure flambant neuve était attendue de tous. La structure était quand même très vieillissante, elle était même devenue dangereuse hein, parce qu'elle était truffée de trous et donc il y avait encore beaucoup de gens qui venaient courir et ce qui fait qu'elle était devenue dangereuse. Et puis surtout, une seule piste d'athlée pour la commune d'Annecy, c'est bien trop peu. On a 3 clubs d'athlétisme, on est à plus de 1000 licenciés, sans compter tous les clubs de running qui viennent aussi pratiquer pour faire un petit peu de fractionné ou tout simplement de la VMA. Au total, 6 clubs annéciens pourront bénéficier de cette nouvelle piste. Annecy Athlétisme est l'un d'entre eux. Avec ses 325 licenciés, le club a ici trouvé son nouvel écrin. La mairie va nous délivrer des créneaux, il y a encore des choses qui sont en rodage, de façon à pouvoir utiliser la piste pleinement dans un site idyllique au bord du lac, facile d'accès pour beaucoup de monde et puis qui permet aussi à notre groupe de trailers éventuellement de pouvoir aller dans le verrier juste à côté, ou pour nos sprinteurs d'aller faire des séances de côte en nature juste à côté aussi, et l'été d'aller faire de la cryo dans le lac. C'est parfait. Homologuée au niveau régional, la piste d'athlétisme d'Albini pourra très prochainement accueillir des compétitions sportives.